Good morning, allez, Yidan et Tusra aujourd'hui, le Nishmat Mori Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahouda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Richa Batrim Nechemia, ainsi que le Fouat Avraham Ori ben Reut Betor, Charles Cholé Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Zevachim, Perek Gimel Mishnah Gimel Ashochet et Azevach, Le'echol Davar She'en Darko Le'echol, ou L'Aktir Davar She'en Darko Le'Aktir, Kacher, Rabbi Eliezer, Posel. לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר פחות מכזית, כשר. לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית, כשר. שן אכילה והקטרה מצטרפין. Il y a un problème dans cette Mishnah, elle est très simple, le principe il est très simple, il est bien connu, déjà on l'a déjà introduit, parce que c'était nécessaire pour des Mishnahs précédentes déjà. Il y a un problème, c'est qu'il manque un mot clé. Regardez, je traduis la phrase telle qu'elle est écrite, et après vous allez comprendre le mot qui manque. Sans ce mot-là, on ne comprend rien à la phrase. « Ashochet et azevach » Celui qui égorge un zevach, un sacrifice, donc il va sacrifier le sacrifice, l'égorger. « L'echol davar she'en darko l'echol » Avec intention de manger quelque chose qui n'est pas mangeable. « Ou l'haktir davar she'en darko l'haktir » Ou avec intention de faire brûler sur l'autel quelque chose qui n'est pas d'usage de faire brûler sur l'autel. Le korban est kasher. Soit, on va prendre l'exemple, on va exprimer concrètement. Quelque chose qui se mange, on va dire que c'est un korban shlamim par exemple. D'accord, la basse-côte, ça se mange. Ouais, c'est de la chair, c'est un muscle. Toutes les viandes qu'on mange, d'accord, ça se mange. C'est quelque chose qui se mange, qui est mangé par celui qui apporte le korban. Et il y a par ça des parts qu'il faut faire monter sur l'autel. En l'occurrence, les graisses, certaines graisses, autour de l'estomac, autour des reins, de la yoter, takavet, autour du foie, il y a des graisses qu'il faut prendre et faire monter sur l'autel. La Mishnah m'enseigne, s'il a égorgé, donc on va parler de deux cas concrètement, on va dire, je ne sais pas moi, l'entrecôte et les reins, et les graisses du rein, autour des reins. D'accord? Un, c'est un exemple type de quelque chose que l'on mange, et l'autre, c'est l'exemple type de quelque chose que l'on doit faire brûler sur l'autel. La Mishnah m'enseigne, celui qui égorge le zevach, le korban, avec intention de manger quelque chose qui n'est pas consommable par lui, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il faut faire monter sur l'autel. Il égorge le korban avec intention de manger lui-même la graisse du rein, ou inversement, avec intention de faire monter sur l'autel l'entrecôte, ou la basse-côte, je ne sais plus quel exemple on a pris. D'accord? Donc, il a mélangé les intentions. Il a eu l'intention de manger quelque chose qui n'était pas en droit de manger, parce qu'il devait le donner sur l'autel. Ou donner sur l'autel quelque chose qu'il ne devait pas manger sur l'autel, sur le misbéar, parce qu'il devait lui-même le consommer. La Mishnah me dit que le korban, il est kasher. Pour le moment, il n'y a rien de grave. Le problème, c'est Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer invalide ce korban. Et en fait, Rabbi Eliezer ne parle pas de ça du tout, du tout. Et donc, en fait, la Mishnah, elle parle. Comme le Bartanois le dit, regardez, depuis le début, les chol d'avoir chez d'arkol, les chol chutz les manos chutz les mkomo. En fait, on continue avec les alachot de psoul et de pigoul, d'intention mauvaise, mais cette fois-ci avec une intention sur quelque chose qui ne devait pas de consommer. Soit il égorge le korban en pensant qu'il allait manger lui-même les graisses des reins le lendemain, alors qu'il était pendant deux jours, ou en dehors du Yerushalayim. Alors qu'en réalité, il a une marchava, il a une intention sur une part de l'animal qui ne lui revient pas. Et inversement, ouais, réciproquement plutôt, il pense à faire monter sur l'autel le lendemain, donc de manière interdite, ce qui est censé faire pigoule, mais de faire monter quoi sur l'autel? Faire monter une part de viande qu'il devait lui-même consommer. Alors la Mishnah vient et m'enseigne de selon Tanakama, le premier avis de la Mishnah, elle me dit, écoute, puisque tu as eu l'intention, certes, tu as eu l'intention de manger chutz lizmano, chutz limkomo, ça devrait rendre invalide, en théorie. Mais puisque cette fois-ci, tu as eu l'intention sur quelque chose qui n'était pas mangeable, donc ton intention, elle est nulle et non avenue, le korban reste kasher selon Chachamim, selon Tanakama. C'est clair? Donc en fait, je redis ça en une phrase simple. J'égorge l'animal avec intention de faire monter l'entrecôte, la basse-côte, de le monter sur l'autel le lendemain, alors que je n'ai pas le droit de le faire monter sur le lendemain. En théorie, il devrait y avoir en cela un problème de pigoule, puisque j'ai une intention,
à le faire monter sur l'autel en dehors de son temps, la Mishnah me dit non, tu n'as pas invalidé le korban de la sorte, étant donné que tu as eu une intention sur une part qui, de toute façon, sa destination n'était pas l'autel, donc ton intention de mettre sur l'autel le lendemain, c'est des bêtises, ça n'a pas de sens, ça n'a aucune valeur, de ce fait le korban il reste cachère, parfaitement. Et bien Rabbi Eliezer maintenant vient et nous dit non, sur cela, le korban est interdit malgré tout. C'est pas expliqué dans Zvachim, mais c'est expliqué dans Menachot. Il y aura le même principe dans Père Gimel Mishnah Aleph de Menachot. Je vous ai dit que Menachot et Zvachim, c'est les mêmes principes qui reviennent avec Zvachim pour les sacrifices, Menachot pour les oblations, les offrandes de blé en général. En tout cas, là-bas, Rabbi Eliezer, il explique la raison. Il déduit ça, Veime Achol Yachel Bayom Ashlishi. Il déduit qu'il y a ici une juxtaposition entre deux achilot, deux consommations, celle du misbéach et celle de l'homme, pour te dire que s'il les a croisés aussi, ça rend invalide à partir du moment où il a pensé à manger une graisse qui devait monter sur le misbéach. Il a pensé à la manger chutz lismano, alors il invalide le korban, et inversement s'il le rempigoule, et aussi inversement s'il a une intention de faire monter sur le misbéach une part de muscle qu'il devait lui-même manger aussi. Ça a invalidé le korban. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Ok, c'était très simple. On continue maintenant avec encore quelques halakhot de Pigoul. Il a eu le nom. L'échol d'avoir chez Darko, l'échol ou l'éhaktir d'avoir chez Darko, l'éhaktir. Par contre, mikazait kasher. La Mishnah vient m'enseigner quelque chose d'important. Certes, ton intention de consommer à un moment ou dans un lieu interdit, ouais, chutzismano, chutzim komo, ça rend invalide, mais à condition que tu as eu l'intention sur un kazaït. Ramim déduit ça du fait qu'on a dit Achol Yachel, la chôme Achila. La Achila, dans toute la Torah, on parle toujours d'un volume d'une olive, 27 cm cubes. D'accord ? Ça, c'est l'avis de Ramim. Apparemment, Rabbi Eliezer n'est pas cholèque sur ça. Apparemment. Et donc, Ramim me dit dans ce cas-là, si tu as l'intention de laisser un chatzizaït, la moitié d'un volume d'une olive, pour le lendemain ou le surlendemain et le consommer, alors sache que tu n'as pas invalidé le korban de la sorte parce que tu n'as pas eu une intention sur un morceau de viande assez conséquent. Idem encore, la Mishnah continue et me dit « Le echol kachatzizait » ou « l'actir » ça c'est quelque chose qu'on a vu déjà explicitement dans la fin du Perek Bet, la dernière partie de la Mishnah. « Le echol kachatzizait » ou « l'actir kachatzizait kacher » Shen achila vaktara misarfin » c'est une phrase qu'on a déjà vue qui me dit que si tu as une intention de manger la moitié d'une olive, on parle de volume, attention, la moitié du volume d'une olive en dehors de Yerushalayim, et de faire brûler chutz lismano, chutz limkomo, une partie qui devait monter sur le misbéach aussi, mais moins qu'un zaït. C'est-à-dire, je m'explique un peu mieux. On vient d'apprendre qu'il faut nécessairement avoir une intention sur un morceau de un kazaït pour invalider le korban. Maintenant, dans la chair, dans l'animal, les parts de l'animal, il y a des parts qui sont pour le misbéach, ce qu'on appelle ce qu'on est maktir, qu'on fait brûler sur le misbéach, et il y a des parts que l'on consomme soi-même. Alors, sache qu'il faut un kazaït. Il faut avoir l'intention sur un kazaït de ce que tu manges, ou encore un kazaït de ce que tu fais monter au misbéach. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai eu l'intention de la moitié d'un zaït sur une part qui monte sur le misbéach, et la moitié d'un zaït sur une part que je vais consommer? La Mishnah me dit, ben non, sache que cette fois-ci, tu n'as pas invalidé le korban. Pourquoi ? She'en achila vehaktara mitztarfin. Étant donné que la consommation, ma propre consommation du propriétaire, et la consommation du misbéach, ce sont deux entités distinctes, alors on ne va pas considérer qu'on a eu au final un zaït pour invalider le korban. D'accord ? C'est une notion que vous connaissez. Vous allez me dire, mais alors, quel est l'intérêt de répéter cette Mishnah, alors qu'on l'a appris vraiment ? Chez nous, c'est depuis avant Pessah, c'est vrai. Mais en fait, c'est trois Mishnayot en arrière, d'accord ? C'est la dernière Mishnah du Perek Bet. L'Echol Kartizait, ou l'Aktir Kartizait Kacher, Shenachel Avaktara Mistarfin. C'est explicite. Alors, la Gemara explique que le Chidosh, en fait, il est pour la loi implicite de cette halakha. J'explique très brièvement. De manière générale, lorsqu'on a un devoir de manger ou un interdit de manger, alors il faut nécessairement manger durant un laps de temps limité, qui est le temps d'une consommation régulière qui varie entre 4 et 8 minutes. Je m'explique. Celui qui veut manger la matzah à Pessah, on a la mitzvah, le soir de Pessah, manger la matzah, manger du korban, manger du maror, il doit nécessairement manger le volume de zaït, d'une olive,
dans ce qu'on appelle une achilat pras, entre 4 et 8 minutes. Idem encore, à Yom Kippour, interdit de manger. Celui qui est contraint de manger, ou même celui qui transgresse, mais comment ? En mangeant toutes les 10 minutes un demi-zeit. Donc il n'y a jamais eu, durant un laps de temps de 4 à 8 minutes, il n'y a jamais eu un zeit. On considère dans la Torah qu'il n'a pas mangé. Il a mangé un chatzi shiur. C'est peut-être un interdit de manger chatzi shiur, ce qu'on appelle la moitié d'un shiur. Mais en tout cas, il ne sera pas condamnable parce qu'il n'a pas mangé un zeit. Alors que s'il mange un chatzi zeit tout de suite, et 2 minutes après, il mange encore un deuxième chatzi zeit, on va te dire, t'as mangé deux fois un demi zeit, un demi plus un demi, ça fait un, t'as mangé un zeit, bien on va tuer. D'accord ? Ça, c'est dans toute la Torah. La Mishnah, maintenant, elle est venue en fait m'enseigner, c'est la loi implicite que la Gemara déduit, qu'on a répété cette halakha, hein, pour en fait te dire la halakha donc de l'echol kachatzizait ou la tir kachatzizait, pour te dire, sache que deux destinations, ça ne s'associe pas. La moitié d'un zaït de ce qui monte sur le misbeh, et la moitié d'un zaït de ce que tu manges avec ton intention dessus, là, ça ne s'associe pas. Mais par contre, si tu as eu l'intention de manger un demi zaït à 10h du matin, du lendemain ou du surlendemain, et à 11h du matin, un autre khatsi zaït, donc tu as eu une intention sur deux khatsa et zaït. Ouais, deux khatsa et zaït. Mais malgré tout, puisque c'est achila et achila, c'est mitztaref. Ça s'associe, et de ce fait, on va considérer le korban maintenant va devenir un vrai korban pigoul. D'accord ? C'est cette loi implicite qui était déduite donc de cette répétition de la Mishnah. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Sakhakol, tout ça.